Bonjour ou bonsoir, merci d'être avec nous sur 01net TV. Il est ici à Las Vegas, 11h08, 9 minutes. Et chez vous, en France, à Paris, il est... Oula, on va essayer de baisser le son parce que ça sera mieux. Il est 20h09. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue, c'est une entrée fracassante qu'on fait pour le CES de Las Vegas. Magnifique, magnifique, bienvenue ici à Las Vegas. Cette année encore, vous allez vivre en direct sur 01net TV cet événement incroyable. Alors on est très loin, c'est vrai. Ouais. Et 9000 km. Oui, calculé. 9000 km, c'est pas mal. Et c'est absolument formidable ce qu'on va vous proposer. 4 émissions live, ouais, en vidéo. C'est unique en France pour découvrir, comme si vous y étiez, ce grand événement high-tech. Ah, le CES de Las Vegas. Vous savez que nous, journalistes high-tech, c'est un peu notre coupe du monde. Hein, ah oui. Voilà. Ça nous fait vibrer, ça nous fait frémir. Avec ses fausses tours Eiffel, ses beaux hôtels, etc. Enfin, c'est top. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ce CES sur 01net TV? Évidemment, énormément de reportages. 4 lives, tu l'as dit, chaque jour, donc jusqu'à dimanche inclus. Hein, on sera en direct de 20h à 21h pour vous faire vivre ce CES de Las Vegas avec des invités, des innovations, peut-être quelques petites exclus. Voilà, aussi. Et on peut dire François, et on peut d'ores et déjà jeter un petit coup d'œil sur ce studio dans, oui, lequel nous nous trouvons actuellement, qui se trouve en réalité sur le stand de La Poste. Exactement. Voilà, La Poste, acteur français de premier ordre maintenant au CES et qui nous accueille et qui va nous accueillir durant ces 4 jours. Voilà, La Poste qui justement fait sa transition numérique. On va en parler tout à l'heure avec Nathalie Collin, qui est la directrice générale adjointe de La Poste, qui sera avec nous. Voilà, il faut que tu parles bien près du micro, oui, sinon Jean-David Duhart va faire une attaque. Mais tu sais, je débute. Attention. En fait dans ce métier-là, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, pardonnez-nous. Ça va, Gilles, là, c'est bon, le son est bon. Tu me copies? Bon, voilà. Alors, il faut un petit peu nous excuser quand même, parce que c'est pas facile de faire, oui, un live comme, non, ça, attendez, à on distance, est en direct, etc. Hein, on est en direct. Et en plus, vous le savez, sur les salons high-tech, c'est là où la high-tech marche le moins bien. Interférences, problèmes de fréquence, etc., problèmes de débit, mais... On ça va, va bien se passer. Allez, alors au sommaire pour ce premier numéro, on va dans un instant s'intéresser aux nouveautés télé de Samsung avec notre invité qui est d'ores et déjà ici, assis à côté de nous. Et vous verrez que Samsung fait sa petite révolution en matière de télé avec une nouvelle technologie qui s'appelle le QLED qu'on va découvrir dans une minute. Tadam ! Nous allons parler également d'énergie car il se passe beaucoup de choses en matière de gestion de l'énergie. Comment recevrez-vous l'électricité? Quel type d'électricité demain chez vous, dans votre voiture, etc. On en parlera avec Thierry Leperc de Engie, un Français encore, acteur de poids ici au CES. Voilà, et puis après, nous nous intéresserons à la maison connectée avec un acteur majeur, c'est Legrand qui est venu en force ici, avec notamment aussi La Poste, pour présenter une nouvelle solution qui a été élaborée, Jérôme, par... une boîte qu'on connaît bien, Netatmo. On va en parler, ouais, tout à l'heure avec le PDG de Legrand qui sera avec nous. Et c'est notre ami David Noguera qui nous rejoindra tout à l'heure en fin d'émission pour nous raconter un petit peu ce qu'il a vu durant cette première journée. Alors, c'est pas tout à fait une première journée parce que le salon ouvre aujourd'hui même. Exactement. Il a ouvert il y a une heure à peine. Et vous savez, on est là depuis déjà, allez, on va dire 24-48 heures et on a pu, voilà, hein, comment dire. On a vu des tas de choses déjà intéressantes. Tiens, d'ailleurs... Comme traditionnellement, il y a des annonces qui précèdent l'ouverture. Et l'une des annonces qui a fait un peu de bruit, eh bien regardez, si JD peut nous envoyer les images, c'est ce petit robot. Ce petit robot signé LG, en fait. Alors, on va l'apercevoir. LG se met à la robotique, en, ouais, fait. Alors, en fait, il y a toute une panoplie de robots. Hein, mais il y a notamment celui-là qui s'appelle Hub. Il est joli, ce petit, ouais, Hub. Il a une bonne petite tête. Alors, c'est quoi, Hub? Eh bien, en fait, imaginez un Amazon Echo, qui n'est pas très connu encore en France. Hein, oui, Amazon Echo, rappelons-le, c'est cette petite boîte avec laquelle on peut discuter et qui va nous rendre des services. Hein. Système d'intelligence artificielle, un à peu commande comme un vocale, Siri, mais sur une boîte. Exactement. Voilà. Et qui peut interagir avec les lumières, les volets roulants, tout ce que vous voulez. Et là, l'idée, c'est de mettre cette intelligence dans un appareil qui est un peu plus imposant, qui peut se déplacer dans la maison, qui a une caméra, qui a un écran, etc. On en reparlera de ça en détail, oui, avec un intervenant d'LG. Exactement, François. Stéphane Curtelin sera avec nous demain pour nous présenter donc ce petit robot et puis aussi les autres nouveautés signées LG. Voilà, mais on peut dire que c'est d'ores et déjà l'une des annonces phares de ce CES 2017. Oui. Autre annonce phare qui nous intéresse spécialement sur 01net TV. C'est les smartphones. Eh oui. Et Honor a profité justement du CES de Las Vegas pour présenter l'Honor 6X. Alors rappelons ce que c'est. Hein. Honor, c'est une espèce de marque... une espèce de marque, ça leur fera plaisir. Non, mais c'est en fait une marque dérivée de Huawei. C'est une marque qui appartient à Huawei, oui, absolument. Voilà, et qui, en fait, n'est disponible que sur le web. Hein, c'est un peu la spécificité de cette marque qui propose des produits plutôt orientés geek. Et là, donc, ils ont annoncé ce Honor 6X qui, pour 250 euros, Jérôme, est le
premier smartphone qui propose non pas une caméra, mais deux caméras à l'arrière. Ouais. Voilà. En fait, ils font descendre en gamme cette technologie de double objectif qui permet d'avoir de plus belles photos, etc. etc. Mais toujours pas de Leica, hein, puisqu'on aurait pu imaginer que comme Huawei a passé un accord avec Leica, on aurait eu du Leica sur ce Honor, qui est plutôt joli. Hein. On le regarde, il est plutôt réussi ce téléphone. Très bon rapport qualité-prix. Bon, on en reparlera également en détail dans les prochains jours. Ce qui fait du bruit également au CES, ce sont les voitures. C'est pourtant pas le salon de l'auto ici, hein. mais par certains côtés, ça y ressemble. Juste à côté de nous, il y a une voiture, il y a des voitures partout. C'est vrai. Alors voiture autonome, voiture intelligente. Non, elle ne roule pas dans les stands. Petit problème. Mais pourquoi les voitures? Parce que la voiture est intimement liée à l'informatique aujourd'hui et à la technologie. Et il y a notamment un constructeur qui fait parler de lui, c'est Faraday. Vous découvrez les images. C'est un Américain qui a l'ambition, ni plus ni moins, de faire la nique à Elon Musk, pour faire court. C'est-à-dire qu'il annonce qu'il sortira l'année prochaine un véhicule autonome, électrique, robotisé, tout ce que vous voulez, hyper connecté, qui sera encore mieux que les Tesla. Bon. Oula. Bon, ouais. On attend de voir. On attend de voir. Voilà, ces annonces sont quand même assez décriées, on va dire. Hein. Il y a eu sacré la polémique malgré tout. Il y a beaucoup de circonspection. Voilà, on verra bien. Mais j'imagine que David Noguera, notre spécialiste automobile, va s'intéresser à tout ça. Et puis, alors vous le savez, la France est en force ici. Ouais. Hein. Il y a des centaines de startups qui sont ici. Il y a plus de 200 startups françaises. Exactement. C'est les plus gros. Deuxième délégation française derrière les US. Deuxième délégation mondiale derrière les US. Pardon. Ici au CES, donc c'est pour vous dire un petit peu le nombre énorme de startups qu'il y a. C'était déjà un peu le cas l'année dernière. Hein. Donc du coup, bien, ça intéresse nos hommes politiques. Il n'y a pas que nous qui venons ici. Non. Il y a aussi, évidemment, les hommes politiques. Le ministre l'année dernière, de l'économie et des finances. C'était Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui avait fait un tabac l'an dernier. Ouais. Cette année, c'est Michel Sapin et le Axel nouveau ministre Le Maire, de l'économie, hein, d'ailleurs. Le nouveau ministre, la secrétaire d'État au numérique. Voilà, qui se sont offert un petit bain de foule ce matin à l'Eureka Park. Michel Sapin qui teste un smartphone, visiblement. Alors c'est plus qu'un smartphone, je crois qu'il y a... Voilà, c'était donc ce matin, il y a à peine quelques minutes. Ils sont parce que ça fait partie aussi du folklore, les défilés des politiques ici. On attend François Fillon qui viendra cet après-midi. Candidat à la présidentielle. Alors vous savez comment c'est, hein, ils essayent de ne pas trop se croiser, donc lui il viendra cet après-midi. Bah oui, parce que c'est pas bien. Bah voilà. Bon écoutez, on a fait le tour. Ça c'est un petit peu le premier flash actu sur Zéronet TV en direct. Et maintenant donc on s'intéresse à Samsung, Jérôme. Avec notre invité, Jérôme Ness. Bonjour Jérôme. Le micro, c'est mieux, ça marche mieux. Bien près du micro. Alors vous êtes le responsable marketing des télés chez Samsung. C'est ça. Et voilà, Samsung arrive avec une nouvelle technologie que vous balancez au CES de Las Vegas. Et ça s'appelle le QLED. Bah exactement, c'est ici qu'on vient faire les grandes annonces. Ouais. Alors on avait fait une promesse il y a quelques mois à l'IFA. On avait promis de montrer tout le potentiel des Quantum Dots qu'on avait commencé à intégrer sur certaines générations de télé. Et là, ça y est, on arrive, on lance une nouvelle catégorie à base de Quantum Dots, mais de façon nettement améliorée, qui s'appelle le QLED. Et ça va, comme on l'a annoncé il y a quelques mois, permettre aux consommateurs d'avoir une technologie qui commence à regrouper tous les avantages de toutes les technologies qui peuvent exister aujourd'hui. Donc comme ça, quand vous achetez une télé et que vous vous posez 1000 questions sur laquelle a la meilleure luminosité, laquelle a le meilleur angle de vision, à chaque fois, la réponse, ce sera le QLED. Et vous avez donc la meilleure qualité d'image avec le QLED aujourd'hui. Mais si on replace ça dans un contexte, vous êtes le seul à lancer ce système. Et à l'inverse, vous ne faites toujours pas de téléviseur OLED. Est-ce que c'est l'OLED de Samsung, finalement? Oui, c'est la réponse à l'OLED de Samsung, le QLED de Oui, c'est clairement la réponse. Enfin, à l'OLED de LG, pardon. Parce que, c'est l'OLED de LG avec le QLED de Samsung. Il y a beaucoup de technologies qui existent aujourd'hui. L'OLED en est une et elle fait beaucoup parler d'elle. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a annoncé que pour un certain nombre de raisons, on pensait que ce n'était pas la technologie d'avenir pour les téléviseurs. Et nous, on a proposé Il faudra nous le dire. Hein. Poursuivez, on y reviendra. Et nous, on croit beaucoup, par contre, à la technologie QLED, parce qu'on pense qu'elle va vraiment permettre de retrouver tous les avantages qu'on peut être en droit d'attendre d'un téléviseur et de la qualité d'image du téléviseur. Mais donc, c'est aussi bon que l'OLED? Vous êtes... Moi, je pense que c'est meilleur que l'OLED. Après, il y a des raisons pour ça. Je peux les expliquer, je peux les détailler. En fait, la première chose à savoir, c'est que pour créer une image, il faut des couleurs. Et pour des couleurs, il faut de la lumière. La lumière la plus pure, on va la créer à partir des quantum dots, à condition de les intégrer de la meilleure façon dans les téléviseurs. Donc en termes de matériaux, de technologie d'affichage, aujourd'hui, c'est le QLED qui apporte la lumière la plus pure. Et en plus, comme ce sont des matériaux inorganiques, il n'y a pas de perdition de la performance dans le temps. Donc on a enfin un téléviseur qui va nous offrir non seulement une belle image aujourd'hui, mais la même tout au long des années.
Et en plus de cette lumière, ça permet d'afficher des nuances de couleurs incroyables. Alors là, on a introduit un concept qui s'appelle le color volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un gamut qu'on connaît tous, qui s'appelle le gamut d'SAI... Jérôme, tu prends des notes, hein, parce qu'après je vais t'interroger. Moi, je suis un pro du gamut. Je vais t'interroger. Hein. Non, mais il y a David qui est pas loin, David Noguera, qui je suis sûr pourrait nous en parler. Mais c'est le roi du gamut. C'est le roi du gamut, absolument. Ouais, en tout cas, retenez juste qu'on peut afficher toutes les subtilités de toutes les nuances de couleurs, quelle que soit l'image, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit claire, que notre salon soit en pleine lumière ou qu'on soit dans la pénombre, voire dans le noir, on aura les plus belles couleurs, les plus précises. En termes de noir, on a des noirs extraordinaires avec le QLED. Il y a eu beaucoup de débats autour du noir. Là, je pense qu'on va apporter une vraie réponse et une vraie solution de ce point de vue-là. En termes de luminosité, vous savez, c'est ce qui donne le réalisme à l'image. On va pouvoir avoir des pics lumineux jusqu'à 1500, 2000 nits. Donc on a vraiment l'impression de regarder par la fenêtre et pas de regarder un téléviseur. Ouais. Ça donne vraiment du réalisme. Et encore plus frappant, c'est les angles de vision. Quand vous regardez une télé, que vous êtes en face, vous avez souvent une belle image. Et puis dès que vous vous décalez un peu, vous perdez un peu en couleur, en contraste. Elle fadille un peu. Là, vous pouvez vous mettre où vous voulez. Vous pouvez être assis à l'autre bout de la pièce, sur les angles, en haut, en bas. Vous aurez toujours la même qualité, la même beauté qualité d'image. Alors, deux autres spécificités. Ces télés sont très bien intégrées. C'est-à-dire qu'en fait, si on se débrouille bien, on ne voit plus de câbles, on ne voit plus rien. Ouais, exactement. C'est ça. Hein, voilà. Alors, justement, ça va te plaire, Jérôme, parce que je sais que tu détestes les câbles. Je hais les câbles. Voilà. Et moi aussi. J'aime la techno, mais pas les câbles. Ouais, c'est horrible. Il y en a partout. Ça traîne. Ouais. Et quand on achète une télé, c'est un peu la question qu'on se pose. On se dit, bon, elle a l'air super, elle a l'air d'avoir une super image, mais au final, comment est-ce que je vais la mettre chez moi? Alors, j'ai un meuble ou j'ai envie de la mettre au mur, ou alors j'ai pas de meuble, je voudrais la mettre sur un pied. Comment est-ce que je fais? Là, on a une solution de pied, vraiment très beau, très design, et on peut l'intégrer chez soi de la façon qui nous plaît le plus, et à chaque fois, sans aucun câble. Ouais, votre système, là. Voilà, une accroche murale qui permet littéralement de coller la télé au mur. Et ce qui est très bien, c'est qu'on va faire disparaître les câbles, parce que ça sert pas à grand-chose de coller la télé au mur s'il y a 4-5 gros câbles qui pendent derrière. Là, en fait, toute la connectique de la télé est déportée sur un boîtier One Connect, donc un boîtier qu'on va placer plus loin et sur lequel on va brancher tous les appareils. Mais il y a un seul câble qui relie la télé à ce boîtier, et c'est un câble optique. Et le câble optique, vous le savez, c'est très fin, transparent. Absolument. Donc on a presque l'impression de ne pas avoir de câble, puisque ce tout petit câble optique, il est littéralement invisible. D'accord. Toujours des efforts impressionnants en matière de design. Hein, Jérôme, Samsung. On a évidemment, on vous a dit qu'on était en direct, et bien sûr, on est connecté sur Twitter avec le hashtag 01live. J'allais le dire. Sapristi. Bien on entendu. A oublié de vous le dire, mais vous le savez. Et vous le savez. On a pas mal de réactions d'ores et déjà, mais n'hésitez pas, hashtag 01live sur Twitter, vous pouvez nous faire un petit coucou. Où que vous soyez, puis surtout vous pouvez réagir au sujet qu'on évoque. Et voilà, donc il y a Benfit qui nous dit, et le noir dans tout ça, donc parce que c'est vrai que c'était un peu la particularité de l'OLED, hein, ouais, des noirs profonds, superbes. Ouais. Là, vous avez l'équivalent avec le QLED, c'est ça? Il n'y a plus aucune comparaison. D'accord. Avec un téléviseur LED, LCD, même amélioré comme l'était le SUHD. Aujourd'hui, je vous mets vraiment au défi dans une pièce normale de voir la différence. D'accord. En termes de noir entre un QLED et un OLED. Jérôme, ça arrive quand et à quel prix cette technologie? Alors il y a toute une gamme de plusieurs produits dans la gamme QLED, Q7, Q8, Q9, qui vont arriver entre mi-mars et mi-avril en France en fonction des tailles. Ouais. Et on sera dans des, bien sûr, ce sont des produits haut de gamme chez nous, donc toute une gamme entre qui va aller du 49 pouces au 75 pouces dans le haut de gamme chez Samsung. D'accord. Donc à partir de 2000 euros et au-delà. Parfait. Donc si on vous suit bien, le QLED c'est plus sexy que l'OLED. Je pense que le QLED c'est plus sexy que le LED. Alors, pour permettez-moi, la qualité d'image et pour plein d'autres raisons. On veut bien vous croire, Jérôme, mais vous savez que vos télés vont passer au labo. C'était un jeu de mots. Hein. Ah oui, j'ai hâte. C'était bien, c'était pas mal. Et on, voilà, il faudrait qu'on ait au plus vite ces télés pour qu'on puisse les tester. Et on vous dira si effectivement c'est aussi bien, mieux que l'OLED, la technologie d'LG qu'on évoquera demain donc avec Stéphane Kurtelin. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Bon salon. Au revoir. Vous avez de bonnes chaussures? Ça va? Ça va. C'est parti. Mais il y a de la bonne moquette. Sinon pour le marathon. Ah oui, parce que vous savez que le CES de Las Vegas, vous intérêt à avoir de bonnes chaussures parce qu'autrement, on est mort. Il faut pas sinon on s'enfonce dans la moquette. Voilà, bon. On fait vivre aussi tous les petits détails privés de ce CES. On continue dans un instant avec notre autre invité. On va parler d'énergie. Un petit jingle juste avant. Et allez, on y va. Allez. C'est parti. Voilà, et pendant que notre invité s'installe, sachez que juste après, on va parler de maisons connectées avec Legrand, et puis surtout de ce partenariat avec La Poste. Hein, entre Legrand et La Poste, on vous expliquera de quoi il s'agit dans un instant. Mais auparavant, nous accueillons Thierry Leperc. Bonjour Thierry Leperc. Bonjour. Bonjour Thierry Leperc. Alors vous êtes le directeur de l'innovation d'Engie. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi Engie est ici au CES de Las Vegas? Alors Engie n'est pas là simplement pour la première fois, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. Et on vient ici avec une idée simple,
c'est que l'innovation est au cœur de la stratégie du groupe, mais aussi que l'univers des startups avec lesquelles on travaille est absolument essentiel pour qu'on réussisse dans cette stratégie d'innovation. D'accord. Et alors oui, vous ne venez pas tout seul. Hein. Oui, vous ne venez pas tout seul. Vous avez sous vos ailes des tas de petites startups qui proposent des tas de choses intéressantes et qui devraient changer un petit peu notre vie dans le futur. Alors, ce n'est pas simplement un petit peu. Je vais prendre juste deux c'est exemples. Beaucoup. Oui. Il est toujours humble, Jérôme, c'est pour ça. Oui, j'aime ramener les choses, si vous voulez, à une certaine mesure. Non, je crois que c'est important. Ici, on est dans un lieu où le monde, le nouveau monde se crée. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. Ce n'est pas simplement pour dire, bah, tiens, c'est sympathique, c'est des startups, des innovations. Ce sont des nouveaux modèles, des modèles de plateforme. Je crois qu'on n'a pas souvent suffisamment parlé en France de la notion de plateforme technologique. Et ce que ça veut dire, c'est ici que se constituent des leaders mondiaux. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. Et on est ici effectivement pour changer la vie des gens. On se prépare à la révolution d'énergie, Thierry Leperc. On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, il y a carrément des a priori qui tombent. L'énergie solaire coûte moins cher aujourd'hui que l'énergie fossile à produire. C'est une des révolutions, absolument. Il y en a d'autres. Il y a la révolution du stockage, il y a la révolution de l'hydrogène, il y a la révolution de l'Internet des objets. Toutes ces révolutions ensemble, avec la mobilité, forment un système, une vision d'ensemble où la technologie et les modèles économiques de rupture qui vont avec changent le monde de l'énergie. Alors on va regarder quelques images assez amusantes, tournées sur votre stand ce matin même. Et c'est une start-up qui a inventé le skate du futur peut-être, ou en tout cas un concept de skate qui fonctionne à l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, vous venez de le dire, c'est une source d'énergie. C'est ce qui fait fonctionner la voiture, ou plus exactement la pile à combustible et donc peut-être certains véhicules dans le futur. Quelle est la symbolique? Parce que c'est presque plus symbolique qu'autre chose, hein, la présence de ce skate sur votre stand. On est dans un salon et donc il faut attirer le chaland. Et donc c'est vrai qu'un skate permet de l'attirer. Non, ce qui est intéressant, c'est la technologie qu'il y a derrière. La technologie de Symbio, c'est ce qu'on appelle le prolongateur d'autonomie. C'est simple. C'est un réservoir d'hydrogène, une pile à combustible, c'est-à-dire qui transforme l'hydrogène en électricité. Oui. Et de facto, votre voiture électrique, qui peut avoir 100 ou 150 km d'autonomie, se retrouve avec 300 voire 500 km d'autonomie. C'est une révolution, c'est-à-dire la capacité d'avoir un véhicule qui a toute la commodité du véhicule électrique avec... Sans les inconvénients de cette recharge perpétuelle. Exactement. D'accord. Mais donc ça, et ça marche. Ça augmente c'est déjà le cas. Ça augmente l'autonomie des véhicules. Mais franchement, ça, ça va exister un jour, ça, des skates avec une pile à combustible? Ou c'est vraiment... Alors ça existe aussi. C'est là encore pour illustrer ce qui va changer la vie des gens. Ce qui va changer la vie des gens, c'est de pouvoir se déplacer avec des véhicules, certes électriques et hydrogènes, mais aussi des véhicules partagés et des véhicules autonomes. C'est aussi pour la raison pour laquelle on est ici à Las Vegas, c'est que la révolution de la mobilité, c'est la combinaison des énergies nouvelles et propres avec les technologies digitales qui vont, elles, changer complètement les infrastructures. On parlait tout à l'heure d'énergie solaire. Il y a aussi cette manière de généraliser l'énergie solaire. Aujourd'hui, l'énergie solaire devient de moins en moins chère à produire. C'est ce qu'on disait. Elle est déjà très bon marché. Voilà, oui, elle est très bon marché. C'est sa particularité. Et en plus, il existe maintenant de nouveaux outils pour capter le soleil, avec notamment un film transparent qui est solaire. C'est ça? Alors, c'est un film, c'est surtout une nouvelle technologie de solaire organique. Et donc, nous avons effectivement sur le stand le patron d'Eliatech. D'ailleurs, Eliatech, c'est une société allemande, mais dont le patron est français, et qui fait du solaire organique. Alors, effectivement, vous le voyez, ce sont des films qui permettent de capter l'énergie. Ouais, on voit pas bien, on dirait un panneau photovoltaïque, en fait. Voilà. Mais il est très souple, fin. C'est ça? Voilà. C'est photovoltaïque, ça n'est pas du silicium, c'est des composants carbonés, en fait. Et l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet d'envisager des réductions de coûts encore plus importantes. Ce qu'il faut voir aujourd'hui sur le solaire, comme vous l'avez souligné, c'est qu'à $30 du mégawatt-heure, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire la moitié du prix du charbon et bien moins cher que les autres sources d'énergie conventionnelles. Le nucléaire, ça coûte combien? Le nucléaire, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'Hinkley Point, Hinkley Point est toujours en dollars. Aux alentours de $120 on est beaucoup moins cher. Donc ça, Thierry Leperc, ça pourrait être mis par exemple quoi, sur des vitres, dans une habitation, sur une tour, ce qui est intéressant etc. effectivement avec cette technologie,
c'est... Parce que ça peut être transparent, deux choses. D'abord, c'est son coût. Je crois que c'est très important de voir que cette technologie-là a le potentiel d'une réduction encore très sensible, très importante des coûts par rapport aux coûts existants. Donc, c'est cette promesse... Donc, ça va encore baisser. Voilà, d'énergie, je vais dire, quasiment infinie, quasiment gratuite. L'autre intérêt de la technologie en question, c'est qu'on peut effectivement l'appliquer sur du bâtiment. Pourquoi ? Parce qu'on... On n'a pas besoin de ventilation. Je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, mais le module photovoltaïque classique a besoin d'être ventilé, sinon il y a une surchauffe. Ici, on peut appliquer ces fumes photovoltaïques sur des façades, par exemple, de bâtiments, ou bien encore, effectivement, comme vous le disiez, sur du vitrage. Sur le toit, sur des tuiles, comme le fait Elon Musk. Alors, l'intérêt de la tuile, c'est de la tuile. Ouais, c'est de que protéger, c'est sur le toit. Ouais, non. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ici des surfaces qui ne sont pas utilisées et qui rentrent aussi dans une logique architecturale. Ouais. Honnêtement, la principale source d'énergie solaire, elle ne viendra pas des bâtiments, elle viendra d'installations de grande taille, telles qu'on voit aujourd'hui autour de Las Vegas. Hein. Il y a dès à présent des installations. C'est des fermes, en fait, c'est ça, hein, on appelle ça comment ? Et cette technologie de Deliatech, est aussi tout à fait adapté au type de production de grande échelle. Thierry, ce CES 2017 donc apporte pas mal de nouveautés, mais pour vous, c'est l'année prochaine qu'on vivra la révolution de l'énergie. Oui, alors la révolution de l'énergie, on en voit les prémices. Si vous allez sur notre stand, vous avez cité deux technologies très intéressantes, l'hydrogène associé à la mobilité, les films photovoltaïques. Il y a aussi une autre technologie qui est présente sur notre stand, qui est l'Internet des objets, avec une start-up qui a développé des solutions là-dessus. Si vous combinez l'ensemble de ces technologies à la fois de production d'énergie différente et d'objets connectés, digital, et le digital, je crois que c'est très, très, très important, vous avez des solutions qui vont pouvoir être présentées, et notamment autour de la mobilité. On y travaille aujourd'hui de manière très, très immédiate avec des choses qu'on devrait pouvoir annoncer prochainement. Mais aussi sur le bâtiment. Là, vous balancez mobilité, mais c'est quoi ? Ça va être sur les véhicules ? Ça va être sur les smartphones ? C'est quoi ? Imaginez des véhicules électriques, hydrogène, propres, partagés et robotisés. Et vous avez là, pas simplement un objet sympathique qu'on va faire circuler dans les rues de Palo Alto, vous avez un moyen de changer la vie des gens dans la ville. On a modélisé ça sur la ville de Bruxelles. On réduit de moitié... de 40 minutes à 22 minutes, la durée moyenne d'un transport de la banlieue de Bruxelles au centre de Bruxelles, on change la vie des gens. C'est l'autopartage propre et intelligent, pour résumer. C'est ce que d'autres, ici aux États-Unis notamment, appellent la voiture pour les millennials, pour vraiment cette génération qui n'éprouve plus forcément le besoin d'acheter un véhicule, mais au contraire de le partager, et qui veut un maximum de confort, pas de pollution, etc. Parce qu'il y a beaucoup de projets dans ce domaine. Hein. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Merci d'être passé par le studio de 01net TV ici au CES de Las Vegas sur le stand de La Poste. Et puis on ira visiter quelques petites startups justement que vous présentez juste en dessous à l'Eureka Park. Merci vous beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci Thierry Leperc, donc le directeur de l'innovation chez Engie. Et on revient tout de suite, Jérôme, on va parler de maisons connectées parce que là, c'est le paradis de la smart home. C'est vraiment formidable. Et quand la maison connectée s'associe à La Poste, vous allez voir, ça donne des résultats étonnants. On en parle tout de suite avec nos invités. Et merci d'être là en direct depuis Las Vegas sur 01net TV pour vivre donc ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, cette édition 2017 sur le stand de La Poste, Jérôme. Tout à l'heure, on retrouvera David Noguera de la rédaction de 01net qui va venir nous raconter les innovations d'Intel, les innovations de Nvidia. Restez avec nous et tout de suite, tu l'as dit, on parle de maison connectée. La maison connectée, et c'est vrai quand on parcourt un petit peu les stands de ce CES de Las Vegas, on voit énormément d'objets qui sont là pour surveiller la maison, pour la rendre plus intelligente. Et un acteur français majeur est là pour présenter sa maison intelligente connectée, c'est Legrand. Et Gilles Schnepp est notre invité. Bonjour Gilles Schnepp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Legrand. Oui. Et puis nous avons une autre invitée à qui on donnera la parole dans un instant. Et qui est notre hôte ici, c'est Nathalie Collin de La Poste. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci beaucoup et au passage, merci beaucoup de nous accueillir sur votre stand. Avec plaisir. Là, on est bien, on est comme des coqs en pâte, comme on dit. C'est presque trop. Oui, c'est presque trop, vous avez raison, c'est vrai, c'est vrai. Il ne va pas falloir s'habituer. Alors, c'est vrai qu'en matière de maisons connectées, ce qu'on appelait avant la domotique, vous vous souvenez, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des startups. On en parle régulièrement. C'est vrai. Mais il y a aussi des acteurs historiques, on va dire, qui sont en train de révolutionner les choses.
Et le grand, ben, tout le monde connaît, ce sont les interrupteurs, les prises électriques. Alors qu'est-ce que vous nous préparez en matière d'amélioration technologique ? Ben, c'est une offre connectée, donc une offre de pilotage de la maison, donc une maison connectée, qui s'intéresse beaucoup aux usages. Donc c'est une gamme d'interrupteurs et de prises de courant, commande interrupteurs et prises de courant, et qui apporte des fonctionnalités que les gens attendent. Donc la commande à distance, bien sûr, c'est-à-dire avec votre smartphone. La commande en utilisant les assistants vocaux. Le fait de pouvoir également être notifié. Donc c'est pas seulement des informations que vous pouvez donner à votre maison pour qu'elle vous obéisse, mais c'est aussi la maison qui vous prévient quand quelque chose ne va pas. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour... Par exemple, votre réfrigérateur tombe en panne ou votre congélateur tombe en panne. Automatiquement, l'information qu'il ne consomme pas cette énergie qui est nécessaire à son fonctionnement vous remonte, par exemple, sur votre smartphone. Et ça, c'est possible. Vous pouvez intervenir avant tous les dégâts. Ça, c'est possible grâce à la grosse prise murale là, qu'on aperçoit derrière sur l'image, voilà. Qui a donc une prise normale. Ça, c'est une prise connectée, en fait. Alors, là, vous l'avez en prise connectée. Là, on a changé d'image. Mais juste avant, voilà, vous l'avez ici. Donc, en arrière-plan, vous avez ouais. Les commandes. Ça, ce sont des commandes avec des scénarios. Donc, une autre manière aussi de parler de pilotage, c'est aussi d'avoir des scénarios. Et puis, vous avez dans cet instrument-là, effectivement, la prise connectée. Ça, c'est le cerveau. Et donc qui va répondre à toutes les sollicitations, notamment à distance. Et puis vous avez la partie, puisqu'il n'y a pas de box hein, dans cette offre, donc c'est la partie gateway, la partie passerelle que vous avez dans ce diamant noir que vous avez vu à l'écran. Et ça, je peux l'installer chez moi à la place d'un en interrupteur ou d'une place, prise normale. Je n'ai pas besoin de reconstruire la maison. Vous enlevez la prise existante. Vous voyez ce double mécanisme, oui, en fait oui. Que une partie qui se monte dans le mur. Et donc, vous enlevez votre prise existante, vous mettez ceci. Même moi, je peux le faire. Vous pouvez le faire, mais je mais vous ça, conseille c'est pas tout sûr, de même, puisqu'il y a de la connexion avec du 220, de mettre Ne lui donnez pas votre de mauvaise installateur. Non, je le ferai pas. Jérôme peut le faire parce qu'il adore bricoler, je vais vous le dire. Mais moi, je suis pas très doué. Alors, je discutais avec un de vos collaborateurs hier et qui m'a dit une chose qui m'a frappé. Il me dit, quand on arrive dans un nouvel appartement, on pose ses meubles en fonction de l'emplacement des prises et des interrupteurs. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une contrainte très forte, finalement. Et ça, on l'a fait sauter, cette contrainte. Et cette contrainte va sauter, véritablement ? Absolument, puisque les commandes que vous voyez ici sont des commandes sans fil. Et donc, vous pouvez repositionner, comme vous le souhaitez, si vous changez le lit de place dans une chambre, comme donc là, on parle des interrupteurs de maintenant, de lit, hein, voilà. Plus des prises, malheureusement. Des commandes, d'une manière générale, pas les prises. Des commandes. Les interrupteurs, oui, les commandes. Quelles qu'elles soient. Et donc, vous pouvez le repositionner. Ce sont donc des interrupteurs sans fil et vous avez même les versions sans batterie, sans pile. Alors, vous vous êtes associé à un surdoué, on va dire, de l'objet connecté. C'est Natatmo. Qu'est-ce que vous avez mis au point en association avec Natatmo, justement ? Non, mais c'est un co-développement. Vous savez, c'est une entreprise avec laquelle nous avons des contacts qui sont à la fois des contacts capitalistiques, puisque nous avons participé à leur levée de fonds, et puis nous avons des contacts entre équipes de recherche et développement. Et le fruit de ces contacts, c'est ce projet Celian, with Natatmo, dans lequel le co-développement a été vraiment fait entre les équipes de R&D. Alors, c'est pas du prototype, hein. Tout ça va arriver en 2017. Tout ça va arriver en 2017. Les premiers chantiers vont avoir lieu de façon très emblématique avec notre partenaire, qui est également le partenaire de la Poste BNP Paribas Real Estate. Oui. Donc les premiers chantiers dans des immeubles au cours du deuxième semestre de cette année. Et puis plus généralement, la diffusion très large via notre chaîne économique avec les distributeurs classiques et les installateurs à partir de la fin de l'année. On a deux questions. Ah, attention, puisque comme nous sommes en direct, vous pouvez nous poser des questions. Exactement, #01live sur Twitter. Bon, vous allez répondre très vite à cette question. Un interrupteur connecté pour volet roulant, est-ce que ça existe chez vous ? Oui. Moi, je peux même répondre à la place de Gilles, je dis oui. Excusez-moi, mais je le sais. J'aimerais pouvoir éteindre et allumer mes prises électriques à distance et aussi voir ma consommation en temps réel. Eh bien, tout ça, avec Celian with Natatmo, c'est possible. Mais il y a fois l'efficacité énergétique, le pilotage. Ouais, mais je vais vous titiller un petit peu sur les choses. Donc, vous n'êtes pas le seul acteur à faire ça. Et aujourd'hui, on sait bien que dans les maisons, on va multiplier les systèmes. Est-ce que vous arrivez à parler à d'autres systèmes ? Est-ce que il y a une interopérabilité. Voilà, les plateformes HomeKit d'Apple, Google, Amazon, etc. Absolument. Toute cette interopérabilité a été travaillée sur ce projet, de même que l'interopérabilité avec le hub numérique de la Poste. Qu'on va donc découvrir dans un instant. C'est bien de cloud à cloud que ces interopérabilités peuvent fonctionner. Donc, ouverture. Absolument. Très bien. C'est vraiment le maître mot de notre approche, ce en quoi nous avons une démarche totalement analogue à celle de la Poste. Il ne faut pas que chaque marque ait sa petite application, sinon on ne s'en sort plus. Et donc, les partenariats
sont avec notamment les grandes associations Zigbee, Allscene et les autres. Alors Gilles, vous restez avec nous. On va donner la parole maintenant à Nathalie Collin. Bonjour Nathalie, donc directrice générale adjointe en charge de l'innovation à La Poste. Vous allez vous connecter grâce au hub de La Poste. Vous allez pouvoir vous connecter en fait à tous les services de Legrand, c'est ça? Ah mais c'est déjà fait. Et peut-être un mot dès le départ, sur ce fameux hub numérique de La Poste. Oui, alors déjà pour dire que c'est déjà fait, puisqu'on peut parler d'un partenariat historique avec Legrand, parce que 2 ans dans les objets connectés, c'est historique. Donc aujourd'hui, la totalité des objets Legrand sont connectés cloud à cloud avec effectivement le hub numérique de La Poste. Alors le hub numérique de La Poste, d'abord je voudrais dire qu'on partage une philosophie. Une philosophie qui est à la fois de simplifier les usages et de les rendre accessibles à tous. Notre rôle, finalement, c'est un peu de démocratiser l'innovation et de faire en sorte que le plus grand nombre puisse avoir accès à l'innovation. Alors, partageons cette philosophie. On a beaucoup travaillé, effectivement, ensemble. Tous les objets connectés de Legrand sont connectés sur le hub. Et finalement, c'est pour La Poste l'occasion de jouer son rôle historique, mais dans le monde des objets connectés et de la techno. Rôle historique qui est un rôle d'infrastructure, qui a un rôle de plateforme, finalement, neutre, universel, complètement interopérable, et puis centré autour de l'individu. Nous, notre vision, c'est que les objets connectés sont là pour créer du lien, pour simplifier la vie des gens, mais en même temps, pour les rendre plus libres, et pas l'inverse. Donc, on ne les rend pas enfermés dans un système qui ne serait pas du tout interopérable. On partage complètement depuis le début, et c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs, cette philosophie-là. C'est centré autour de l'individu. Alors, vous dire ce que ça fait le hub, parce que finalement, vos téléspectateurs ne le savent pas forcément. Le hub, c'est une plateforme ouverte, en mode agile, complètement apaisée, et qui permet finalement à la fois d'orchestrer de façon très simple, moins de 30 minutes des services. Ça permet de dire que si vous avez un interrupteur connecté Legrand par exemple, et que vous l'éteignez, ça peut fermer vos volets ou déclencher votre machine à café si c'est votre choix. Enfin après, il y a ce qui est formidable, c'est une infinité de services possibles. On donne une liberté totale aux utilisateurs. Et ça permet à la fois d'interconnecter entre eux tous les types d'objets. Aujourd'hui, on a 70 objets connectés sur le hub. On parlait d'interopérabilité il y a un instant. Justement, on va pouvoir connecter une multitude de services et d'objets. Absolument. On a d'ailleurs une expérience immersive qui démontre toute la possibilité. Et peut-être ce qui est intéressant dans notre travail avec Legrand. Alors, d'abord, on ne pense pas qu'on puisse faire ça dans notre coin, et Legrand non plus, donc ça tombe bien. On a créé un écosystème avec des partenaires. Legrand est vraiment pour nous un partenaire fondateur. On a d'autres grands groupes qui sont ici d'ailleurs, BNP Real Estate, Malakoff Médéric, également Boulanger dans le retail, mais aussi des start-up. Et sur cette plateforme, ils peuvent, en utilisant les objets de Legrand, aller créer finalement tous les services qu'ils vont pouvoir imaginer. Donc on est très petit quand on est tout seul dans son coin, même quand on est un grand groupe, et on est 2 grands groupes ici, quand tout le monde se met à inventer des services avec une infrastructure et des objets qui existent, tout d'un coup, il n'y a pas de limite à la créativité des gens. Et peut-être ça me donne une bonne occasion de faire une transition sur un projet que nous avons en ce moment avec Legrand. On a aujourd'hui lancé, alors on est exactement sur la même philosophie également, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus qu'on ne dit. Donc tout ce qu'on vous raconte là, ça existe. C'est même commercialisé. Là, je parle par exemple de Veiller sur mes parents, qui est la possibilité d'avoir une visite facteur régulière. Ça, c'est un service tout récent qui a été lancé en novembre, dernier, service, je crois. Service lancé en novembre, qui va être complètement élargi en 2017. On est en train déjà de travailler. On explique que c'est rapidement pour tous. Alors, Veiller sur mes parents, c'est la capacité de commander finalement une visite facteur 2 fois, 4 fois ou 6 fois par semaine, avec une capacité d'avoir un lien social et puis un service de téléassistance. Donc s'il y a un problème, la personne peut appuyer sur un bouton et avoir immédiatement un service d'urgence. Et en même temps, un service de lien social et de vérification s'il y a un problème qui est lié avec des aidants. Et si, par exemple, le facteur constate qu'il y a un problème, que la personne est moins bien, elle immédiatement, par les objets connectés, elle informe l'aidant qui sait tout de suite sur son smartphone qu'il y a un problème et une intervention à faire. Ça, c'est la version 1. Alors, on a 75 000 facteurs. Donc, ce qui est formidable, c'est que c'est partout en France. Il y a un maillage incroyable. La version 2 sur laquelle on travaille avec Legrand, c'est comment y intégrer les objets connectés plus encore qu'aujourd'hui. Et là, on entre dans quelque chose où on passe du service et même parfois du gadget à vraiment quelque chose où on va pouvoir avoir un arbitrage entre maintenir une personne âgée à domicile, parce que les objets connectés vont faire le travail finalement de veille en permanence, ou ne pas la maintenir à domicile. Et là, on est dans la vraie démocratisation des offres. Parce que là, vous touchez tout le monde. Ce n'est plus une question de gadgets ou d'objets connectés très chers. Ce sont des capteurs qui coûtent très peu.
et qui permettent de rendre un service immense. Le fait de rester à son domicile le plus longtemps possible, Gijsneb. Voilà, c'est l'enjeu principal de la silver economy, un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et là, je suis ravi de pouvoir dire que Philippe Val, le président de La Poste, a rejoint le comité d'orientation que nous co-animons, donc Philippe Val et moi-même, de la silver economy, dont l'acte 2 a été signé en décembre au ministère de la Santé, Bercy étant évidemment également impliqué. Et donc, le maintien à domicile, c'est vraiment l'enjeu premier de la silver economy, et la complémentarité entre les produits, les métiers des industriels, ceux de Legrand notamment, et les services, et en particulier ceux de La Poste, est vraiment très opportune ce segment de développement et de croissance que représente la silver economy. Gilles Schnepp, Nathalie Collin, qu'est-ce que vous attendez le plus du CES de Las Vegas, soit en termes de visibilité, soit en termes d'informations que vous allez récolter? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Alors, moi, je trouve qu'en termes de visibilité, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet enfin d'exposer des vraies stratégies numériques au fond. Et on a beaucoup de mal à le faire quand on n'est pas dans un momentum comme celui de Las Vegas, parce que malheureusement, les journalistes s'y intéressent trop peu globalement et ne suivez pas mon regard. Voilà, sans vous. Donc, ne suivez pas mon regard. D'accord. Et donc, c'est important pour nous d'exposer une stratégie. Et puis, bon, bah, vous avez devant vous des partenaires heureux qui vont pouvoir apporter vraiment des services et mettre un coup de projecteur sur ce qu'on peut faire pour les gens chez eux. Je trouve que c'est formidable. On n'a pas parlé du coût de tout ça, parce que c'est vrai que c'est formidable, le maintien à domicile, rendre sa maison intelligente. Mais est-ce que ça va coûter cher, Gilles Schnepp ? Au contraire, à la fois pour les comptes de la nation et pour les personnes concernées, ce sont des vraies économies dans la mesure où on parle de produits. Là, les produits dont vous avez montré les images sont pour des packs, les premiers packs, à moins de 200 euros. Avec ça comprend quoi, 200 euros, on a quoi ? 200 euros, ben, vous avez la fameuse prise que vous voyez avec la prise et la partie intelligente, voilà, qui va créer par exemple l'entreprise. Ouais. Et puis pour un bâtiment, par exemple pour un grand appartement ou une maison, vous allez avoir un budget de 1000 euros qui se substitue bien sûr à l'installation existante. Et puis on peut y aller progressivement, j'imagine. On n'est pas obligé de tout changer d'un seul coup. Vous rapportez une autre fonction quand vous voulez, un va-et-vient par exemple dans une chambre que vous voulez pouvoir commander de deux endroits. Et ce va-et-vient, vous allez l'appareiller de façon automatique avec une petite innovation qui s'appelle tac-tac-tac. Vous tapez sur le produit avec l'autre, ils se reconnaissent et ils sont appareillés. C'est génial. La commande commande la prise. Juste une question, parce qu'on parlait de tarifs. Ça coûte combien veiller sur ses parents? Veiller sur mes parents, à partir de 50 euros, vous avez deux visites de facteurs par semaine. Et donc, on peut considérer que c'est cher. Et en même temps, si ça permet de ne pas placer une personne âgée et de la maintenir en domicile, cet arbitrage-là, il est très favorable. Voilà. Parce qu'on peut imaginer même demain qu'il y ait des aides pour tout ça, non ? Je ne sais pas, je m'avance peut-être. Il y en a. L'APA est une première aide qui est dispensée par les conseils généraux. Mais il est clair que la nation aurait un intérêt évident à promouvoir des solutions. Ça coûtera moins cher de... Nathalie parlait du lien social, ça c'est qualitatif. Sur le plan quantitatif, il y a le coût de la, ne serait-ce que d'une hospitalisation ou d'une mise en maison de retraite. Et puis les personnes, à 90% d'entre elles, souhaitent vraiment rester chez elles le plus longtemps possible. Nathalie ? On a les déductions fiscales, donc finalement vous pouvez diviser le prix par deux. Et donc on a déjà des aides. Mais moi je pense que si un jour la nation fait le coût, finalement, et qualitatif et quantitatif, de retirer les personnes âgées à domicile, la balance est extrêmement favorable au fait d'équiper les logements et d'aller rendre visite à ces personnes chez elles. On a une question sur Twitter, #01live de Mika, Nathalie Collin, en termes de sécurité et de confidentialité des données, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a pris plusieurs engagements à La Poste, on a émis une charte data. Et donc, on a une politique data extrêmement sévère, c'est-à-dire que comme notre politique est complètement centrée autour de l'individu, chacun décide de ce qu'il fait de ses données et avec qui il a envie de partager les comptes rendus de visite. Nous, on n'y a pas accès, par exemple. Et je voudrais rajouter quelque chose qui est important, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais tous les postiers prêtent serment. Et absolument. Et on a rajouté l'an dernier, d'ailleurs, sous l'égide d'Axel Le Maire, dans le serment des postiers, la confidentialité des données numériques. Je pense qu'on est le seul... peut-être au monde à faire ça. Parce qu'un postier est un agent assermenté. Un postier est un agent assermenté, absolument. Et c'est quand même un plus indéniable. Oui. Gilles, j'avais une petite question. On est donc ici dans on va dire la Mecque du futur de l'innovation, alors même s'il y a des innovations qui existent déjà. Moi, mon rêve, ça serait que demain, on n'ait plus de prise électrique et que tout se recharge par les ondes. On voit qu'on commence à avoir des petits projets. Il y a des start-up qui imaginent qu'un smartphone pourrait se recharger sans fil, simplement à quelques mètres d'une espèce de borne. Est-ce que vous y travaillez ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que demain, on pourra recharger
et avoir une alimentation électrique dans une maison sans aucun fil? Donc, la réponse est non pour l'ensemble des applications, parce que votre question est celle-ci. En revanche, pour beaucoup d'applications qui sont des applications simples, qui demandent peu d'énergie, oui, la possibilité d'avoir par induction, par résonance, par d'autres technologies de la recharge sans contact, et tout à fait, aujourd'hui, ça existe, ces technologies. Oui. Elles sont... Et là, j'ai vu qu'il y avait une start-up qui avait inventé un système qui permettait de recharger un smartphone à plusieurs mètres d'une espèce de borne. Voilà, mais votre question, c'est est-ce que pour tous les produits, c'est possible? Alors, je dis oui, pour, par exemple, un smartphone, compte tenu de son niveau de consommation. Mais pas pour une télé ? Pas pour une télé, absolument. D'accord. Ouais, alors, si je pense que ce qui est intéressant, deux, à mon avis, c'est de comprendre l'installation électrique dans toutes ces innovations, à la fois pour ce qui peut être fait sans contact comme ça, mais également en imaginant que demain, une maison, elle produit son énergie, donc beaucoup d'énergie avec par exemple des panneaux, elle va la stocker et puis elle va la proposer en utilisation à la fois pour du chauffage, pour de l'éclairage, mais aussi peut-être pour un véhicule électrique. Donc là vraiment on n'est pas en train de dire qu'on va supprimer toute la partie énergie puissance, parce qu'au contraire de plus en plus on va en avoir de l'électricité plus en plus sera importante pour la puissance. Très bien. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nathalie Collin. Merci à vous. Merci mille fois de nous accueillir ici. On est très heureux d'être là sur ce stand de La Poste et ce n'est que le début du CES. On est là tous les jours, vous le savez, entre 20h et 21h pour découvrir toutes les innovations de ce CES 2017. Et il y a quelques petites innovations assez sympathiques comme par exemple une tirelire connectée qu'on découvrira dans l'une des prochaines émissions sur 01net TV. En attendant, on va revenir à du hardware pur et dur avec notre spécialiste David Noguera. Le hashtag 01 live, si vous voulez réagir, poser vos questions, nous faire un petit coucou. Questions. Nous c'est sommes très en sympa. Direct. Il est 20h50, heure française, 11h49 ici. Nous sommes là, donc en direct, vous le savez, du jeudi, donc d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche prochain. Pour débriefer avec vous le CES 2017 de Las Vegas, David Noguera de la rédaction de 01net est là également. Salut David. Bonjour. Et oui, la rédaction de 01net a fait le déplacement. Hein. On retrouvera d'ailleurs demain aussi Raphaël Grabli, qui est en train justement de... Fait ses premiers pas dans le Convention Center, c'est qui a ouvert officiellement effectivement aujourd'hui. Ouais. C'est les premiers pas aussi pour Pierre Thiollet, notre réalisateur, journaliste qui est là. Derrière la caméra. Voilà, on le salue. C'est la première fois qu'il vient à Las Vegas aux États-Unis. Pour l'instant, ça va. Hein. Il a l'air de s'en sortir. Il regarde tout comme ça, il a les yeux... Jérôme, ça faisait des oui, années... Oui, c'est grand Las Vegas. Tu sais quoi, juste avant qu'on continue, qu'on accueille David Noguera. Ça fait des années que je voulais faire ça. Ah, pas mal. À la tienne. Vous avez vu notre mug ? Il est beau, hein, quand même. Moi, j'ai pas le droit. Quoi. Eh ouais. demain, t'en auras. Enfin. Bon, David, le salon ouvre aujourd'hui. C'est ce que disait tout à l'heure Jérôme. C'est vrai que notre boulot ne commence qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, les constructeurs profitent de l'engouement de ce salon pour présenter pas mal de choses en amont du salon. Oui, hein. Il y a effectivement tout. Alors, il y a des journées presse qui commencent un peu dans tous les hôtels. Et il y a des jolies démos, enfin des trucs un peu amusants, puisque hier, Intel a fait sa conférence. Alors, qu'est-ce que tu as vu de beau ? Voilà, alors, donc ils ont fait leur conférence. Et moi, j'ai juste pris un taxi. Et puis, je suis allé dans une chambre un peu privatisée pour voir un truc complètement dingue. Il y a en fait une société qui est HWBot qui organise en fait des concours d'overclocking. Donc c'est une société qui est connue dans le milieu et donc là on s'est retrouvé dans cette chambre d'hôtel avec 5 overclockers. Overclockers. C'est assez impressionnant parce que on est accueilli. Nous on le sait, rappelons vite c'est quoi l'overclocking. L'overclocking c'est pousser grosso modo la fréquence du processeur jusqu'à son maximum. C'est du tuning donc, PC, voilà, on va c'est dire. Du tuning de PC on sauf dépasse que là, la fréquence il n'est pas question de performance graphique, c'est vraiment on s'attaque au CPU et on le pousse dans ses retranchements. Parce que le problème physique c'est que plus un CPU monte en puissance, plus il chauffe. Exactement. Et plus il faut le refroidir pour qu'il conserve en fait son niveau de bonne température. Alors après il y a des sécurités qui font que si vraiment on le pousse au-delà de 100 degrés, la machine va se couper, mais du coup on ne peut pas atteindre la performance d'aller dans des fréquences très élevées. Et donc là on le voit, il y a un truc qui s'appelle Core Speed et en fait ce processeur ça va, qui c'est est très en simple fait, à comprendre. Mais oui, 7000 MHz. C'est 7 GHz. Voilà. 7 GHz. Voilà, donc fréquence de base du processeur 4,2. Et voilà ce que ça donne. Ne faites pas ça chez vous. Non, parce que alors on était assez un peu assez étonné de voir qu'en je fait... Je voudrais du sorbet de Core i7, s'il vous plaît. Donc là, c'est pas quoi de... Il refroidit. Là, il a un espèce de petit réservoir sur le dessus. Le processeur est à sa place. On le voit là, entouré de petits chiffons bleus. Et il est refroidi à l'azote liquide. Alors déjà, c'est assez impressionnant de se retrouver accueilli par ces grosses bonbonnes d'azote liquide. Ils vont faire le plein et puis ils déversent petit à petit de l'azote liquide. Donc, moins 196 degrés pour pousser le processeur jusqu'à 7 GHz.
avec cette fréquence de 4,2 à la base quand même. Donc un sacré gain. Mais c'est aussi ça le CES des amis, ouais, amis. C'est des trucs comme ça qui ne servent à rien au départ. Là, c'est vraiment. Mais c'est du fun, quoi. C'est vraiment du fun. C'est de la compétition. Et en fait, la compétition commence aujourd'hui. Ils vont lancer leur World Championship et il y aura des qualifications, puis un final, etc. C'est vraiment juste. Alors ça, je me coupe du coup. Mais le mec, il a mis son chalumeau. Ça, c'est ce qui se passe. C'est qu'une fois que le processeur est trop froid, la machine s'arrête. Et donc, on a un cold bug. Le processeur est trop froid et donc il faut le réchauffer. Donc il a perdu en fait. Une fois qu'on est à moins 183 degrés, parce que c'est ça hein, la température qui est mesurée sur le processeur, eh ben, il faut le réchauffer. Et donc pour le réchauffer, ben, on y va carrément au petit chalumeau. Mais donc, ça, est-ce que Intel fait ça vraiment rien que pour faire rigoler les journalistes et pour qu'on en parle? Ou est-ce que derrière, il y a peut-être une idée de vouloir encore plus refroidir les processeurs pour qu'ils montent encore en puissance pour tout le monde? Je ne sais pas si, parce que là on est vraiment sur une solution. Enfin, c'est un peu hors du commun, l'azote liquide. Après, ce que HWBot nous a dit... allume l'ordinateur et met de l'azote liquide. C'est HWBot nous a dit, c'est qu'en fait, c'était... Alors, cette démo, elle a été organisée parce que c'était le lancement de la nouvelle plateforme, la nouvelle puce Kaby Lake. Et c'est surtout que cette puce, a priori, elle est assez simple à overclocker. Avec un simple refroidissement liquide, le geek un peu passionné va pouvoir monter à des fréquences de plus de 5 GHz. Et comment ils overclockent? C'est au niveau du BIOS? Alors après, du BIOS, c'est du fine-tuning, c'est au niveau du BIOS. Ouais. Alors, il y a des cartes qui sont, là en l'occurrence, c'était une carte mère Asus, qui sont vraiment spécifiques pour ça. Le processeur, il est lui aussi démonté parce que la pâte thermique qui est dans le processeur même ne supporte pas une température de moins de 180 degrés et donc elle craque. Et donc il faut remplacer cette pâte thermique pour qu'elle supporte le refroidissement à l'azote liquide. Donc, très bien, magnifique. Ça, c'était la première innovation que David a vue, mais c'est pas terminé. Parce que tu allais voir Nvidia. Il y a eu Nvidia, donc là pour le coup, je pense qu'on peut se parler d'une tendance parce que cette année, c'est 50 ans du CES et c'est Nvidia qui fait la conférence d'ouverture du CES. Et la conférence d'ouverture du CES, donc ils ont annoncé leur nouvelle Shield TV, qui est leur boîtier de streaming, donc compatible 4K, HDR. On va retrouver les services qu'on connaît déjà, Netflix. Il va y avoir aussi du Molotov, donc pour regarder... c'est Molotov TV français, Molotov TV, voilà, avec pour regarder ces regarder la télé c'est linéarisé exactement. Et le but de cette nouvelle Shield, eh bien c'est que désormais elle va être compatible avec Google Assistant. Alors c'est pas arrivé encore en France, mais Nvidia a développé des petits spots qu'on va pouvoir placer dans la maison et un peu à la manière de Amazon Echo, on va pouvoir commencer à interagir avec sa maison connectée et avec finalement sa télé, lui dire bah lis-moi ça sur Netflix. Alors là on voit surtout des... Mais alors ça c'est une tendance de fond hein, vraiment je pense de cette reconnaissance vocale entre les frigos, voilà. il y en a partout ces assistants. Donc, et c'est le fait qu'aussi que ça fait longtemps qu'on le dit, les appareils vont se parler entre eux, mais là ça y est, on y arrive hein, à travers Amazon Echo, à travers Google Assistant. Mais tu sais moi ce qui me frustre, alors c'est une question de moi, c'est que tous ces services existent aux US, oui, mais n'existent pas encore. Et là c'est clair, on est en retard. On n'a rien on n'a rien de tout ça en France. Quand on voit que le Pixel de Google, le smartphone Google qui justement a Google Assistant n'est pas encore disponible chez nous, c'est pas parce que Google veut pas sortir le téléphone, c'est que Google Assistant version française n'existe pas. Alors François, je t'inviterai chez moi. Oh. Car moi je viens de m'offrir, j'ai rapatrié des États-Unis un Amazon Echo. Et que j'utilise. Bon, là, il parle qu'anglais, il sait pas tout faire, etc. Mais c'est bluffant. C'est vrai? Ouais. Évidemment, on peut croiser les doigts et se dire que ce genre de service arrive dans notre pays courant 2017. Hein. Oui, probablement. On peut imaginer que voilà, ça va arriver. C'est très très intéressant. Et donc juste du coup pour finir, parce que je parlais effectivement d'une vraie tendance, Nvidia c'est l'automobile. C'est-à-dire que Nvidia a annoncé une plateforme dédiée à l'automobile autonome évidemment, donc Drive PX. Cette fois-ci le PDG est arrivé sur scène avec ce composant donc qui s'appelle Xavier pour l'automobile physique. Et donc c'est le composant ou le PDG qui s'appelle Xavier? Non, c'est non, le PDG, je vais pas me risquer à dire le nom, mais c'est le nom, c'est ce SOC, donc cette intelligence que les voitures vont pouvoir intégrer. Et surtout, regardez là ce qu'on voit à l'image, c'est BB8, une vraie voiture autonome réalisée par Nvidia. C'est-à-dire qu'ils ont mis toute l'intelligence d'Nvidia. En fait, Nvidia, c'est des cartes graphiques, ils ne savent pas faire des voitures. C'est surtout de l'intelligence artificielle. C'est de la puissance de calcul aujourd'hui. Et parce qu'au départ, une carte graphique, c'est que du calcul. C'est ça. Et donc, ils se sont dit, voilà, il faut qu'on mette d'autres œufs dans d'autres paniers. Et cette puissance de calcul, eh ben, pourquoi pas en faire une voiture autonome. Ça a l'air très, 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 très prometteur. Et dans cette nouvelle version, ce qui est encore plus épatant, c'est qu'elle est capable de reconnaître elle a de la
reconnaissance faciale et aussi de la lecture sur les lèvres. Et donc quand on va être en phase de conduite autonome, on pourra lui dire bah, ramène-moi à la maison. Et surtout, si jamais vous êtes trop distrait au volant, si votre regard ne suit pas la route, elle va vous envoyer des messages d'alerte en disant attention, là il y a un piéton, là il y a une voiture qui arrive à droite, etc. Donc vraiment une montée en puissance du côté de la voiture autonome. Et d'ailleurs, BB8 va être en fait officiellement lancé avec Audi, puisque Audi et Nvidia s'associent pour lancer une Audi BB8 d'ici 2020, voiture 100% autonome. Et c'est ça qui est formidable ici, c'est qu'on est vraiment au cœur du réacteur. Alors il y a plein de trucs dont on vous parle, c'est vrai, on en est conscient, qui n'arriveront jamais ou qui voilà, sont mortes-nées. Oui, mais il y a quand même de grosses tendances qui arrivent. Et voilà, on est en train de voir le véhicule de demain, la maison de demain. Et c'est formidable. Tiens, on évoquait tout à l'heure la voiture Faraday. Oui. Est-ce que tu en as entendu parler ? Est-ce que tu as un petit peu creusé ? Je n'ai pas pu, parce qu'on était sur un autre événement dont on parlait tout à l'heure, à savoir les télécunettes. On rappelle de que Samsung. Tu es notre spécialiste voiture connectée à zéro net. Mais Faraday, encore une fois, l'an dernier, c'est vrai qu'ils avaient fait un très très beau teasing, cette année pareil, autour de leur voiture. Ils nous ont présenté, grosso modo, une voiture de course dans laquelle il fallait mettre un casque. Cette année, c'est un peu moins le look d'une voiture de course, mais c'est quand même une voiture qui fait 1050 chevaux avec une accélération démentielle, effectivement. Mais est-ce que c'est pipeau ou pas ? Parce qu'il y a plein de gens qui disent bah, finalement c'est du bullshit Faraday. Pour l'instant c'est beaucoup de démos en tout cas. Je vais y passer. Vaporware. Je vais essayer de voir l'intérieur de la voiture parce que l'an dernier on n'avait même pas pu prendre tu viens, de tu photos avec d'intérieur. Une caméra hein. Il faut donc, qu'on, que oui, tu montres va, ça hein. Je vais prendre en des petits temps, GR, je vais les user moi vos GR. Ah ouais, tu vas les tuer. Déjà les pauvres là, ils sont costauds. Ouais, ils sont forts. Ils mangent beaucoup hein. On les nourrit. Ça va. Ils sont nourris au grain, élevés en plein air. Exactement, donc, les nourris en burger, en plein ricasse, ils sont élevés. Non, mais enfin, je veux dire, Faraday, ils n'ont pas dit non plus que la voiture était prête. Ils annoncent ça pour l'année prochaine. Oui, et puis la voiture monte sur scène. Il y a cette démo de stationnement où en fait la voiture plante sur scène. Le truc n'a pas fonctionné. Ah bah, voilà. Moi, je dirais ça, c'est bon signe. C'est le bug. Ça, c'est bon signe. Ça prouve que c'est pas du fake. Ouais, pourquoi pas, à la limite, on peut le voir comme ça, mais bon, voilà, on va essayer de passer sur le stand de hashtag Faraday. #01Live, Nico qui nous disait pas de news d'Amazon Echo en France, non, justement, parce qu'on disait pas de news pour l'instant, mais on va poser la question à Amazon. Et puis... la Shield tablette, oui. Léo nous demande où ça en est, la Shield tablette, on sait Shield de tablette, non, voilà, Émeric Siméon, si tu nous écoutes. Voilà, oui, c'est Émeric le spécialiste. Tu pourras nous aider parce qu'on sait pas tout, surtout, hein. Non. Mais j'en ai entendu parler, effectivement, de cette Shield tablette. Et puis, il y a Steph qui nous demande quelles sont les nouveautés en matière d'impression 3D. On va enquêter, on va aller voir un petit peu ce qui on se passe. On va aller voir ça. Mais on a l'impression que l'impression 3D, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, impression, on a l'impression de l'impression 3D. Ouais. Pardon. Je sens que tu vas dire un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, mais vas-y. Non, mais vas-y. C'est pas ça. C'est que on sait que ça marche, on sait qu'il y a des choses, des usages et tout, mais pour le grand public, on cherche encore les usages. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que l'imprimante à la maison, l'imprimante 3D à la maison, ça sert à rien. Ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, pour le B2B, là, ça va bouleverser pas mal de choses. Bon, merci beaucoup, David. Rien. Bon, on te laisse. Je vais aller parcourir les allées. Ouais, c'est pas fini, hein, ça ne fait que commencer. Au programme cet après-midi. Alors cet après-midi, on réserve surtout de très jolies choses, toujours sur la voiture autonome, puisqu'on va faire partie des heureux élus qui vont pouvoir rentrer dans la voiture autonome de Nvidia, justement. La et donc on va voir plein de choses. Il y a des très très belles choses aussi annoncées par Valeo. Très rapidement, aujourd'hui, ils sont capables de faire communiquer les voitures. Je roule en voiture derrière un camion. Ma voiture est équipée de la techno Valeo qui communique avec le camion. Le camion est équipé d'une caméra. Je peux voir ce qu'il y a devant le camion, depuis ma voiture, pour pouvoir c'est déboîter. C'est le pire tout pire en bagnole, en fait. Exactement. C'est, ça, hein. C'est une bride, c'est une brique, en tout cas, de la voiture communicante, la caméra. Voilà, c'est David Noguera en direct du Mondial de l'Automobile, ici non, mais à Las t'as Vegas. Raison. Mais il y a le Salon de Détroit, c'est dans quelques jours, le Salon de Détroit. Oui, c'est un petit peu plus tard, mais c'est ça se suit. Hein, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a des constructeurs qui font leurs annonces ici, et pas à Détroit. C'est quand même un truc de dingue. C'est fou. Mais c'est monstrueux, le CES. J'ai appris récemment qu'il y avait plus de journalistes qu'aux Jeux Olympiques. Faut pas s'étonner qu'après tout le monde veuille se montrer. On fait un peu de sport quand même. Pas beaucoup, mais on en fait. C'est la fin de ce live, de ce premier live, une heure en direct du CES de Las Vegas sur le stand de la Poste. Et nous nous retrouvons demain. Oui, j'ai eu peur. Je croyais que tu allais sortir un truc. Et voici et tout de suite. Voici les danseuses. Non, pas ce soir. One More Thing. Et One More Thing, attention. Alors oui, donc 4 lives, vous le savez, tous les soirs entre 20h et 21h. Et puis une multitude de reportages. Allez sur 01net TV, sur 01net.com pour être au courant de tout ça. Et puis notre chaîne YouTube. Et on salue aussi tous ceux qui nous regardaient sur Facebook Live ce soir. Voilà, on vous fait très un petit coucou. Et on remercie bien entendu Jean-David Duarte et Pierre Thiolin qui sont aux manettes, qui sont avec nous ici et qui font un super boulot. Et merci encore à toute l'équipe, à tout le staff de La Poste qui nous accueille si bien pendant ce CES.
Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Portez-vous bien et on se retrouve demain. À demain.